Hop, voilà. Alors on va voir, on va tester la version démo de Mario Tennis. Je sais pas combien de temps on va y jouer. On verra bien. Testons. Oui, hein, des révisions s'imposent, surtout quand on n'a pas joué à Mario Tennis depuis peu. Alors, si on révise un peu les frappes de base, c'est toujours bien de s'entraîner un peu avant de se lancer dans un tournoi. Une fois qu'on aura vu les frappes de base, on pourra mettre en pratique dans un match d'entraînement. Très bien. Lance la balle. Pas mal. Une fois la balle en l'air, frappe là pour servir. D'accord, comment je frappe? Incroyable! Joli, t'es pas mauvais! Maintenant tu vas devoir renvoyer mon service, on appelle ça un retour. N'essaie pas de renvoyer mon service avant que la balle ait rebondi, d'accord? Ah oui. Je plaisante pas, il est formellement interdit de frapper la balle avant le rebond. Si tu fais ça, ce sera le point pour moi. Vous allez voir que je vais renvoyer toutes les balles avant qu'elles rebondissent. Oui! Ou faire ça aussi, ça c'est comme dans la vraie vie. Oui! Oui, j'ai réussi! Je joue! Je fais du tennis! Super, t'as tout pigé! Après le service, son adversaire et toi, vous allez faire des échanges pour tenter de marquer des points. Bien sûr, ce n'est pas en contentant d'appuyer sur A pour envoyer la balle que tu marqueras des points. Pour gagner, il faudra faire marcher ton cerveau et jouer stratégiquement. Donc ça n'a pas marché. Pas de cerveau. Renvoyer la balle est un retour. Bah, logique. On sait jamais. Pour commencer, vise un endroit hors de portée de ton adversaire. Incline le joystick gauche vers la gauche ou la droite pour envoyer la balle vers les bords du court. Très bien. Oh là là! Oh là là! Oh, j'ai joué! Incroyable! Je joue au tennis. Si tu veux quelque chose de plus péchu, tu peux utiliser une frappe puissante en appuyant deux fois sur A. Le coup sera plus rapide que la normale. Pour une balle encore plus rapide, utilise une frappe chargée. Appuie sur A bien avant la réception pour accumuler de la puissance. S'approcher de la balle en chargeant pour la frapper automatiquement. Mais attention, ton adversaire essaiera d'envoyer des frappes puissantes sur les côtés du court. Je te conseille de toujours te replacer au milieu du court pour aller chercher la balle. Très bien. Oh, le pauvre Todd qui a failli manger la balle. 30-0! Bon, jusque-là, c'est rigolo. Pareil de match! Oh là là, j'ai mis de l'effet dans mon service. C'était match. Oh là là, Luigi, vous avez appris les frappes de base avec Mario Tennis en vous entraînant avec Skelerex, pardon. Vous pouvez passer à une vitesse supérieure en découvrant l'énergie, une mécanique de jeu qui apparaît pour la toute première fois dans Mario Tennis Aces ou As. Je sais pas comment on le dit. Appuyez sur moins et plus avant un service lorsque la balle n'est pas en jeu pour consulter les commandes. Très bien. C'est vrai qu'on peut jouer comme ça aussi. On peut faire un coup coupé plein. On peut faire un lob, un amorti. Non. Mais comment ça, Mao?
Oups. Oh. Ben alors, comment ça marche? Un bébé. Comment ça broue? Vous pouvez réussir une frappe à instinct si vous utilisez B. Ok. On va recommencer, hein, juste pour voir. Ok. Mais comment ça marche? Mais oui, j'ai bien compris, mais encore. Et ben alors? Elle vient? Allez? Non? Puis quand je vais me mettre à l'eau, tu vas venir? Voilà. Pour exécuter une frappe à instinct, il suffit de se tenir dans une zone chance et d'appuyer sur Air. Très bien. Vous pouvez utiliser cette frappe pour endommager la raquette de votre adversaire. Non, bébé, pas là. Bah oui, mais non, pas là. Il y a trop de trucs. Si votre raquette, si votre dernière raquette se brise après avoir subi des dégâts trop importants, vous devrez déclarer forfait. Non, bébé. Pas là, j'ai dit. Vous pouvez viser un endroit hors d'atteinte de votre adversaire pour tenter de marquer un point, ou bien viser votre adversaire directement pour jouer la victoire par forfait en brisant sa raquette. C'est tellement petit. La frappe instinct est une technique offensive, tandis que la course instinct est plutôt une technique défensive. Lorsque vous activez la course instinct, le temps ralentit autour de vous, ce qui peut vous permettre de rattraper une balle qui semblait pourtant hors d'atteinte. Alors. Voilà, ça va. On va réessayer. Trop fort quand je me rate pas. Allez, suite. Vous avez réussi. La course instinct est un bon moyen d'atteindre la balle, mais vous risquez toujours d'endommager votre raquette. Ah. Pour éviter d'endommager votre raquette lorsque vous renvoyez une frappe à instinct, vous devez maîtriser l'interception. Que diriez-vous de vous entraîner à intercepter une balle? Oui, d'accord. Trop tôt. Ah. Complètement au pif. On va recommencer, hein. Ah, trop tôt encore. Ah d'accord, donc faut attendre un petit peu après qu'elle ait rebondi. On va réessayer. Ah, trop tôt? Ah, c'est pas une question de balle qui rebondit alors, c'est... Trop tôt. Le timing n'est pas évident. Hein. D'accord. On réessaye encore un coup. Alors. Hop. On va dire qu'on m'a compris. Même si c'est pas très vrai. Vous devez accumuler de l'énergie avant d'exécuter une frappe instinct ou utiliser la course instinct.
Cette jauge montre l'énergie que vous avez accumulée, on l'appelle tout simplement la jauge d'énergie. Incroyable. Faites durer les échanges pour accumuler de l'énergie. Pour utiliser une frappe instinct, votre jauge d'énergie devra être remplie au moins au tiers. Très bien. Vous pouvez utiliser des frappes chargées pour accumuler de l'énergie rapidement. Chargez une frappe autant que possible pour réaliser une frappe chargée au maximum. Courez avec L et appuyez très tôt sur un bouton pour charger une frappe au max. Wow. Oh, j'ai gagné. Ah, tu dépoiles partout. C'est ça de faire des bisous bébé chat. Vous avez réussi. À présent, essayons d'utiliser une frappe technique pour accumuler de l'énergie. Très bien. Grâce aux frappes techniques, vous pouvez faire appel aux ressources propres à chaque personnage pour vous aider à rattraper des balles qui semblent perdues. Deux petites secondes. C'était là. Voilà. Alors, faites croire à votre adversaire qu'il a pris l'avantage et surprenez tout le monde en renvoyant la frappe sans effort. Cela regonflera votre énergie en plus de ravir le public. Bien évaluer la distance et agir au bon moment n'est pas évident. Si vous déclenchez votre frappe trop tard, vous perdrez de l'énergie. C'est une technique risquée mais qui peut payer. Ok. Un peu tard. Mais on a réussi notre frappe technique mais on a perdu de l'énergie. Ah là, on a réussi. Alors là, c'était beaucoup de retard. Un peu tard. Est-ce qu'il faut la faire à chaque fois que... Enfin, dès que Luigi renvoie la balle, je vais regarder. Là, je pense que c'est trop tard. Là, c'est un peu tard. C'est pas évident, hein. Un peu tard, pourtant j'ai lancé le truc tout de suite. Ouais, je suis pas sûre de bien comprendre, mais bon. Ça, je pense que ça donnera en jouant, on verra bien. Alors, vous avez accumulé de l'énergie, appuyez deux fois sur B pour continuer. Non, ça c'est bon. Pour finir, alors, il existe différents moyens d'accumuler l'énergie, blablabla. On peut faire une super frappe instinct. C'est une technique extrêmement puissante qui peut détruire la raquette de notre adversaire instantanément. Comme pour une frappe instinct, il est possible d'intercepter une super frappe instinct. Cependant, cette technique est à la fois rapide et puissante, ne tenter une interception qu'en dernier recours. Alors. J'imagine que les pourcentages, c'est quoi, c'est... On a cassé la raquette à Luigi. Oh, il est tout mort. On a réussi. C'est la fin de l'entraînement. Très bien. Sachez que vous pouvez activer ou désactiver les commandes par mouvement vers ce que porte la commande. Ah, ok.
Bon, ça pour l'instant on va pas toucher. On va faire des matchs d'entraînement contre l'ordi. Je veux jouer Yoshi. Comment il a tout raté? Je joue à du tennis. Ah bah non. Faut que je pense à utiliser les techniques aussi. Oh là, oh là, oh là. Non. J'ai du mal à contrer cela. Ah mais comment tu voulais que je l'évite? Ça, c'était trop loin. Oh non, j'avais pas assez d'énergie. Point, point, point. Je sais pas combien il y a de trucs. Trop tôt, mais c'est pas grave. On l'a intercepté. J'ai enfin contré un truc. C'était un peu trop tôt, mais je l'ai contré.
Il est trop mignon, Yoshi. J'essaye de faire des trucs. Alors, par contre, je sais plus comment on fait pour déclencher ça. Donc, je vais regarder. Comment on fait? C'est juste L ou R? Je sais plus pour faire l'étoile. Ah, c'est sûr. Il faut qu'il y ait la zone chance. D'accord. Il faut qu'il y ait la zone chance. Ah bah dis donc. D'accord, donc il y aura une récompense si on en garde le truc là. On va essayer un tournoi en ligne. YOLO. Alors, on joue avec les règles normales, blablabla. Tant que le tournoi est ouvert, on peut participer autant de fois qu'on veut. Notre score total augmente lorsqu'on remporte des matchs et qu'on brise la raquette d'un adversaire. Plus on avance dans le tournoi, plus on obtient de points. Les joueurs en tête de classement seront annoncés plus tard. On va jouer en normal. Hein. Attends, je regarde, c'était quoi? Il y avait marqué normal ou classique. Dans ce mode, l'énergie n'est pas utilisée afin que seul le talent brut puisse s'exprimer. Dans le jeu complet, seules les 5 frappes de base y sont disponibles. D'accord. Ouais, on va jouer en mode normal. Je vais jouer avec Yoshi. Je pense pas qu'on va aller bien loin. Allez. Ah, un superbe match. Bravo. J'adore. Waouh. Magnifique point. Ah bon, faute, pourquoi? Je connais vachement bien le tennis, hein. Ah mais pourquoi il a pas... Je voulais charger mon truc et ça a pas marché. C'est pas grave. Oups. Quel incroyable retournement de situation. Changement de côté.
Je sais très bien jouer. Oups. Ouais. Cette petite balle sournoise. Oups, ça m'apprendra à bourriner la touche de... Oh, mais moi j'ai jamais les étoiles. J'en ai eu une. Oh. Oh cool. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Ah, trop tard. Ah là, j'aurais peut-être dû utiliser le machin R là, j'y pense pas. Ouais, bon là ça, je pouvais rien faire. Les couleurs, deux couleurs de chaque côté est un out ensemble sauf en double. D'accord. Bon après ça me parle pas beaucoup mais... Petit chat. Attends bébé. Je vois plus rien. Mais oui, deux petites minutes bébé chat. Oh, j'ai gagné le point. Bébé, non, pas là. Pas là. Bébé chat, s'il te plaît, aide-moi. D'accord? Non, oui. Bah... Non, mon bébé. Oups. Mmh.
balle. Alors c'était pas ça que je voulais faire, moi je voulais déclencher le super coup mais j'ai pas réussi. Waouh. Ouais, moi je voulais essayer d'utiliser le super coup là, mais je sais plus comment on fait, faudrait que je regarde dans les commandes. Eh ben mon bébé! Alors attendez, on va retourner au menu principal, et je vais regarder les touches à nouveau parce que... Il n'y a pas les touches ici. Guide, c'est dans guide je crois. Frappe. Les frappes chargées, non c'est pas ça. Les frappes puissantes, il faut appuyer deux fois sur le bouton, non. Ça doit pas être dans ça. Énergie. Frappe instinct. Alors ça, il faut avoir la zone chance. Ça c'est pour viser. Frappe technique. Ah, il s'est incliné R. Ah, c'est la super frappe. Appuyer sur L. Ah, c'était L, c'est ça. Il fallait appuyer sur L pour déclencher la grosse frappe. Ok, je croyais que c'était R. On va refaire un match. Alors, oups. Oui. Oh, elle est trop chou, bitch. Oh, mais j'avais appuyé sur la touche pourtant. Ouais. Oh, il y a marqué bravo Lulu, incroyable. C'est mignon. Elle est trop jolie, Peach.
Ah zut. J'ai pas encore tous les réflexes, hein, mais... Bon, en tout cas, là, le jouer comme ça, ça me donne très envie d'en savoir plus sur le mode histoire. Ah, mais... J'avais appuyé pour qu'il charge le coup et il est parti faire autre chose. Mais pourquoi il charge pas ce coup-là? C'est chiant. J'essaie de faire des coups avec X, mais ça marche pas. Donc je vais arrêter. Trop chou. Ouais, bon, ça, hein. J'allais pas essayer de le contrer. Ah, c'est l'heure de jouer à N-Stars. On fera ça après le match. Mais quoi? Non, il faut vraiment que j'arrête d'appuyer sur X, hein, c'est pas possible. Et en plus, je la fais faux. Ça, c'est du tout moi. Mais il est trop mignon, Yoshi. Oui, voilà. Je vois que je suis pas la seule à faire du n'importe quoi dans les doigts, hein. J'ai encore voulu appuyer sur X, c'est terrible. Incroyable! Yogoni! Eh mais c'est des matchs sympatouches, hein, quand même. Ah, j'ai pas fait de service parfait. Oh là là! On peut jouer Waluigi! Mais d'abord, on va jouer à Ensemble Stars. Parce que vous savez que
c'est votre activité préférée. La mienne aussi. Alors, deux petites secondes. Donc on va remettre tout ça, tout ça. Bah oui. On va continuer Mario un peu. Mais d'abord, ensemble Stars. Hein. Désolé à tous ceux qui étaient là juste pour Mario éventuellement. Mais ensemble Stars, c'est très important. Alors, je déverrouille tout ça, tagadakadak. Je lance le jeu, je mets la cam. Très bien. Alors, Natsume, il a fait beaucoup trop d'entraînement par rapport à la demi-heure prévue, le pauvre. Allons le relâcher. Ah, des petites gemmes, très bien. Donc il a bien travaillé, c'est bien. Continuons. Le pauvre, c'est terrible. On va lui faire faire celui-ci, il a pas encore fait ça. Oh, Natsume concierge. Oh, le pauvre bébé. Natsume concierge, allez, amuse-toi bien. On se revoit dans 2 heures. Ensuite, donc, les lives. Pauvre Natsume. Pendant ce temps, je vais regarder ce qu'il y a de nouveau du côté des news sur le truc. Très bien. Ah bah oui, des gemmes, parfait. Merci Koga, qui est tout flou, mais merci Koga quand même. Ah bah voilà! Ça, c'est un Tsumugi qu'on veut avoir! Exactement! Très bien. Très bien. Ça aurait été bien que Soma vienne maintenant, mais bon, hein. Si ça marchait comme on voulait, si ça marchait comme on souhaiterait, comme on le souhaite, ça serait pas rigolo. Non, non, toi non. Non, Tsumugi, t'as pas compris. C'est pas comme ça qu'on t'aime. C'est pas comme ça. Enfin. Ah bah voilà, voilà, très bien, parfait. Bravo Tsumugi, on peut applaudir. Très bien. Et voilà, Soma qui débarque quand j'ai plus d'énergie. Mais c'est pas grave, on va lui dire... 2 petites secondes, hein. On va récupérer des petits bonbons. Alors, les petits bonbons, ils sont là. Au passage, je récupère rien du tout d'autre, très bien. Donc, on a récupéré les petits bonbons. On va aller les chercher dans la boîte aux lettres, parce que sinon, on ne les a pas encore récupérés. Hop, les petits bonbons, les petits points, hop. On apprécie les gentils mots de Natsume qui dit qu'en gros il apprécie notre compagnie, voilà. Et on va faire un live. Très bien. Alors, Soma, tu as besoin de... Ah, est-ce que 2 énergies éventuellement ça peut passer en carottant ou pas du tout? On va utiliser un petit bonbon. Est-ce que en carottant ça marche? Non, ça marche pas. Il est trop gourmand. À partir de maintenant, il me faudra donc utiliser 3 énergies pour ce petit bonhomme. Très bien. Parfait. Faut juste pas la rater. Ha. Ha. Et un bouquet à 4 personnes. Très bien. Ouh, ouh.
Et voilà. En plus, le premier c'était Koga, il avait un bouquet dans les mains, ça nous fait double bouquet, mais ça compte pas parce qu'il y a qu'un seul bouquet qui nous file des points en plus, mais pas grave. Et voilà, plein de points. Magnifique. Si j'avais pas eu le nombre de personnes requis, je n'aurais pas eu le bouquet. C'est à cause de Tsumugi, ça. Maintenant, on peut récupérer les petites gemmes. Les petites gemmes bleues. Parfait. Très bien. Merci. Au revoir. Qu'on récupère. Voilà. Voilà. Et voilà. À dans 2h26. On va mettre l'alarme ensemble. Sur le côté. Une alarme pour dans 2h26. Ce qui nous fait une alarme à 19h18. Très bien. Un sidecar sur le côté. C'est un sidecar. Oh, oh ! Je sais, c'est drôle. Peut-être que je désactive la caméra, oui. Voilà. Sinon, voilà. Bien, 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 bien. Alors. On peut continuer à faire des matchs, éventuellement. Je regarde juste un truc. Ouais, je vais couper la VOD ici.